quand je bénis, un ange chante Jésus créole, Jésus m'a aimé où, c'est vous qui sauveur. Amour, fait quitter plaisir, péché, moi. Rédempteur, bénis-moi, c'est vous qui sauveur. Moi, aimé au Seigneur, et plus que jamais. Jésus créole. Jésus m'a aimé où, c'est vous qui sauveur. Amour.
Jésus. Jésus, Jésus, pourquoi sauver? Aïe, aïe, aïe. Avec Seigneur, avec tant prie. Avec Seigneur, abandonnez-moi. Bon Dieu béni. Nous comptons là. Nous même qui étions là, nous étions marqués la pluie. Il y a des gens qui étaient dans le bar vidéo, mais nous étions là parce que nous étions venus pour nous. Donc, après-midi, je vais regarder, je vais faire un petit camping dans le côté de la paix. Je vais regarder un chapitre dans l'Exode ensemble avec nous. Qui a un pile de bagaille que nous pouvons apprendre comme l'église, comme leader. Parce qu'il y a un sens de leadership là-dedans. Leadership de l'église que nous sommes capables de voir ensemble. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, c'est. On a capable de visite de Jéthro à Moïse. Le beau-père de Moïse, après visiter Moïse pendant que Moïse travaille dans le désert avec le peuple de Dieu. Et on a lire un pile verset, il est nous de côté pour nous mettre accent. On a mis accent. Semble-t-il que pendant que Moïse travaille dans le désert, mais. Madame Moïse avec petit Moïse, tu étais Kai, papa madame, Kai beau-père Moïse, tu étais et beau-père Moïse, Bible a bien dit, c'est mon sacrificateur de l'éternel, son monde, mon même mon chef. Et dans ce cas, dans ce cas, la vie. Mon père de Moïse a pris ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a pris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Donc, Jéthro, beau-père de Moïse, puis Séphora, la femme de Moïse qui avait été renvoyée, et puis aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershon. Quand Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer. Car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Donc, ça nous parle à quoi là, semble-t-il que pendant que Moïse t'a fait songer, travail Moïse t'a fait en vanité à Pharaon, qui travaille d'après, on va songer qui travaille d'après, il t'a gardé des moutons pour mon père, il t'a travaillé avec mon père. Mais les Moïse se voient appel pour aller le peuple là. D'après le texte, nous avons vu que l'aide déplacée, il va déplacer ni à madame, ni à petit. Parce qu'il y a un niveau qui va parler, madame, pas là, petit, pas là.
travail ça yo pas ca et Gede ti di pon nan bay kulturel sa yo parce que n'importe qui côté mari yo pale pou yo ale tout. Et pas tout côté. Gede a pèl gede travay ou même ou besoin kampe de yo pou te mèche a fè travay. Et nou tata wèk un tipi kounen sa te ka presente, ti mou yi sa te pon de ti moun avèk un madan, bon je vou el kote wa pou l'ale al travay pour nous voir, pour nous avoir permis, nous nous allons tout partout, pour nous prendre avec les familles et en sûreté la caille bon père. Familles en sécurité la caille bon père. Ni madame monsieur, ni de petit garçon monsieur. Mais ça nous comprend que bon Dieu a fait grand travail avec Moïse. Et bon père, après une nouvelle là, mais qui sait que bon Dieu fait. Et c'est ça que ça dit littéralement, textuellement. Il apprend que bon Dieu délivre comme Israël par la main de Moïse, en bas main de Pharaon. Et pendant que Moïse est dans le désert, eh bien, bon père a fini, il vient avec madame, monsieur, avec des petits monnaies. J'ai trouvé le père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Ils ont venu là, ils ont campé. Alors par contre, si vous songez, l'on parle de la montagne de Dieu, c'est la même que mon déterminé Moïse. Tout le monde est puissant à d'ailleurs. C'est là, bon Dieu t'a créé Moïse. Bon Dieu t'a créé Moïse. Moïse s'est déplacé là pour aller en Égypte. Donc, bon Dieu s'est déplacé, l'aller en Égypte. Mais de retour, il tournait. Sauf en Égypte, il tournait avec le peuple Israël. Et dans le même côté, ça, à la montagne, la montagne de l'Éternel, donc, famille Moïse va joindre avec elle. Donc, pas qu'à dire combien de temps ça dépend avant de former ça. Non. Combien de temps il dépend de l'heure qu'il est déplacé à aller en Égypte, à l'autre élevé peuple là, avec l'heure retournée dans le même côté. On va connaître exactement combien ça dépend. Mais, le même côté, alors, on va dire combien ça, son côté de bénédiction pour Moïse, c'est d'aller rencontrer toute bonne nouvelle. Votre nouvelle pour l'aller, il rencontre le Saint-Esprit là, il rencontre le Saint-Esprit, il rencontre le Petit-Esprit, il rencontre le Bon-Père, là, dans la même zone, même côté. Donc, c'est un très bon endroit pour Moïse, ça va? Et, alors, l'infini, Moïse a travaillé avec le peuple là, et ce n'est pas à dire que le monde, Moïse a travaillé avec le peuple là. Et mon père a venu. Et il dit, parle avec Moïse verset 6. Dit Moïse, moi-même, mon père dit, j'ai trop, moi venu vers lui-même avec madame, avec deux petits filles. Il voyait un commissionnaire à parler avec Moïse. Et tout de suite, Moïse qui était sale parfait, il est déplacé. Pour la côté de mon père. Et là, il va tout respect que mon père avait besoin. Mais ce n'est pas parce qu'on est en position qu'il ne peut pas respecter le monde. Il va pas mon père tout respect que mon père avait besoin de lui-même. Il prosternait devant mon père. Et il m'a volé. Et il a commencé à parler. Et de santé. Et ils ont parlé de toute bagaille. Et comment Moïse a fonctionné, comment templaillé. Et Moïse, verset 8, a raconté, bon père, tout ça que l'Éternel te fait. Ça y observé. Bien gros bagaille, gros miracle que l'Éternel fait. L'a raconté mon père, lui-même, grand bagaille ça y est. Et tout ça l'Éternel te fait à Pharaon.
et à l'Égypte à cause du peuple d'Israël. Et toute souffrance que nous avons joint en chemin à notre avenir. Donc, son long discours familial, là, il y a des problèmes de jeunes, mais qui s'est passé l'autre bord, mais qui s'est passé à Kondio, mais qui souffrance de jeunes, mais qui problème de jeunes, et comment l'Éternel te délivre nous dans tout un problème. Nous voyons son histoire qu'on a vraiment entendu, qu'on a vraiment mon Dieu capable d'avoir entendu l'histoire ça. Donc, dans verset 9, je te réjouis de tout bien que l'Éternel fait pour le peuple d'Israël là, et le fait qu'il ait délivré le peuple là, en bas des Égyptiens, je te content, et je te dis béni soit l'Éternel, verset 10, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je te content à célébrer ensemble avec lui, parce que miracle que la parole de mon Dieu fait, il voit que mon Dieu grand, la grandeur de Dieu, a sortir là-dedans, c'est que c'est mon Dieu qui est mon Dieu. Et je trouve d'accord que c'est mon Dieu qui est mon Dieu. Et dans verset 11, il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que nous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Donc, le témoignage que Moïse baille devant Bopella, eh bien Bopella dit, il reconnaît qu'on a ce bon Dieu l'Éternel plus grand à cause et que malédiction est retombée sur lui. Des fois, le bon Dieu fait gros bagaille dans la vie nous, ça permet un témoignage dans la vie de l'autre monde. Et c'est ça que le bon Dieu a intérêt pour l'opérer miracle dans la vie nous. Il a intérêt pour faire gros bagaille dans la vie nous. Bon Dieu a plus intérêt pour faire gros bagaille dans la vie nous parce que vous avez intérêt. Parce que l'autre monde voit que c'est bon Dieu qui est bon. Et tout ça que nous faisons, fait bon Père témoigner que c'est l'Éternel du bon Dieu et c'est lui tout puissant. Et bon Père témoigner ça. Donc, et j'ai trouvé mon Père Moïse, il offrit mon Dieu holocauste, il offrit des sacrifices et by Aaron et tout ancien Israël. Nous venons participer dans le repassage avec mon père Moïse là, en présence de l'Éternel. Verset 12, verset 13. Le lendemain, alors on a regardé pour nous, hein? Première, c'est le rapport que Moïse a bâillé à mon père là. Il y a un entretien entre nous deux. Hein? Rapport de tout ça qui est passé en Égypte. Rapport ça qui passe dans tout le monde là. Rapport de tout le bagaille. Et qu'on y a. Et mon père a commencé il est content, il reconnaît mon Dieu, il offre sa promesse pour mon Dieu, et qu'on y a, après ça, Moïse va y tourner dans le travail. Il va y tourner dans le travail. Alors, mon père va observer pour voir comment Moïse travaille. Dans tout ça qui fait là, est-ce que tout ça Moïse expliqué, est-ce que nous, quand dit Moïse, par un homme de Dieu, avec tout ça, nous est déjà là? Non, nous n'avons pas dit ça. Ce Moïse, nous voyons que son vie, oh mon Dieu, c'est ma belle, là fait travail, mon Dieu, là travail. Moïse tournait pendant qu'il était là, avant le travail qu'il a fait, il tournait pour la faire. Mais qui travaille là, le fait? Qui travaille là, le fait? Et verset 13, il dit le lendemain. C'est que, semble-t-il que, s'il dit le lendemain, hein? Qu'est-ce qui est tombé? Si il dit le lendemain, c'est que la conversation avec mon père a commencé depuis aujourd'hui. Nous passons une nuit ensemble pour parler au fils à commission, tout faire, tout pareil, pour être capable de converser. Mais il dit le lendemain, donc Moïse va reprendre le travail. Parce que le travail, Moïse, c'est le travail l'Éternel fait. Et le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Tout le jour, Moïse fait chita. L'a jugé le monde. L'a attendu tout le peuple là. Quand il y a un problème, il y a un problème, ça, il y a un problème, il y a un problème, ceci. L'a pressé voir tout le jour devant lui. Donc, c'est ça que nous voulons parler. Quelqu'un qui a pensé, ok, ça qui est bon,
c'est pour que serviteur bon Dieu, je me dis là toute la journée, c'est pour Moïse là, c'était bien. Toute journée, il a travaillé là, il a toute journée, toute la pensée, c'est ça que le servit bon Dieu. C'est ça que le servit bon Dieu. Et, mais les beaux-pères ont gardé, ils ont tout le monde qui a campé, tout le monde sous pied, ils n'ont pas qu'à finir Moïse, Moïse n'a pas qu'à finir. Le beau-père de Moïse vit, il faisait pour le peuple, ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Ah, bonne question posée. Qu'est-ce qu'on a fait là avec le peuple là? Or, il y a clairement, Moïse, c'est le peuple là, d'une côté, il n'a pas de ses problèmes à le peuple là. Pas bon Dieu, il n'a pas la côté au peuple là, il n'a pas la peuple là pour bon Dieu, toute jeunesse là. Il y a qui sont à faire là? Qui sont à faire là? Et ça, c'est une question. Ou t'as pas de travail, ou t'as pas de Simon, par exemple, qui ont le livre de étudié, bien pour parler, vous savez, qui sont à faire là? Question, ça a déjà insinué quelque chose, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont à faire là. Question, ça pose à ça, ça veut tout. Ça veut dire bon bagaille qui va mal. Et tandis que, tant Jésus est temps, Moïse plein bon Dieu, il travaille pour mon Dieu. Oui, il y a une idée. Ils sont à faire là. Nous pouvons poser une question. Il y a fois, nous travaillons. Est-ce que nous avons besoin de camper pour demander qui ça n'a pas? Est-ce que nous bien travaillons? Est-ce que nous avons la fête, j'en ai pas de fête? Est-ce que nous avons une évaluation qui doit faire? Vos pères disent qu'ils sont à faire là. C'est une question posée. Ils sont à faire là. Et quand il a fini, il faut que ça. Qui sont au fait? Qui sont à faire là comme ça? Pour qui ça? Ou chita? Ou même seul? Et tout le peuple ça a campé devant vous. Depuis le matin jusqu'au soir. Alors, il y a des gens qui travaillent, qui ont pensé, il a bien passé, il a bien travaillé, ça a fait. Il y a parlé de l'état. Puisque c'est un bon Dieu, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Puisque c'est un bon Dieu. Allez, Moïse, tous les Moïse, c'est un bon Dieu. Vous travaillez pour bon. Pour bon Dieu, vous pouvez pas. Mais vous permettez, qui soit fait là, à peu près ça. Qui soit fait là, chita, toujours là. Vous mettez au peuple, toujours là, qui soit fait là. Alors, sans nous parler plus loin, est-ce que ça va nous faire nous réfléchir, poser notre question? Est-ce que par mon bagage il va marcher bien? Ah, c'est ça, vous voulez vous réfléchir sur les assurances. Qui soit fait là, Moïse? Soit fait là. Ou j'y la toute journée. Peuple là, à vie de l'eau, pas un peu de l'eau, peuple là, comme toute journée, jusqu'à toute journée. Tandis que, ça va, il t'a fait, travail bon, Dieu. Est-ce que ça va nous faire pas de rappeler nous que c'est pas quantité de travail là qui est important, mais c'est la qualité de travail. Vous avez travaillé dans le bon Dieu, on travaille, vous pensez que ça doit bien passer, mais vous devez faire pile corvée. En pile corvée, parce que fort, ou bien stratégie, fort ou formé, fort ou fait par là, et on fasse. Des gens qui ont pensé, par exemple, pour un bon chrétien, faut que je n'ai 7 jours par semaine. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut craser l'estomac ou? Est-ce que c'est ça, mon Dieu? Est-ce que c'est ça qui est bon? Ou bien est-ce qu'on veut se prier de qualité? Vous avez passé bon temps avec bon Dieu. Qui soit fait là. Bon, père, on a dit ça, Moïse a fait là. Il dit, ouais, très bien, ça va faire. Il y a mon Dieu qui t'a fâché. T'as dit, bon, père, quand on sortit, c'est bon Dieu qui va me faire travailler là.
Est-ce que c'est pas bon Dieu qui va pour ce travail-là? Bon Dieu, pas une fois le travail-là, c'est vrai. Mais vous avez besoin de principes pour travailler en fait. Travail, mais je fais un principe. Bien travailler par les 10 et l'obstacle toujours né, toute la nuit là, seulement comme sans garder, sans évaluation. Pour chita, pour faire évaluation, pour faire travail là bien. Bien travailler en pile, bien travailler. Bon Dieu béni. Gemon depuis au timon y a travaillé. Yo sorti bonnet, yo rentré tard. Quand vous faites mal, vous ne pouvez pas vous poser même. Vous avez un pile. Mais l'on va décrire le résultat, vous gagnez 0 balle. Parce que vous ne travaillez pas avec tête. Tout ça n'a fait que ce travail personnel, que ce travail, bon Dieu, il m'a dit vous travaillez avec tête. Il m'a dit faut réfléchir. Il m'a dit faut bien faire pour qu'on ait un plus bon succès. Alors, chef de commandement de Moïse, ça fait là, on va épuiser le peuple là, on va épuiser tête. On va épuiser tête, toujours on chita à un côté. Mon camp est toujours de plus haut.